Bonjour, nous sommes le dimanche, le 12 août. Mon nom est Rosemarie Pilon. Aujourd'hui, on visite la sphère Toyota. On fait une entrevue avec Mitsu Gelina et une entrevue avec les membres de Mixmania 3. Bon festival! De vos mix préférés, la gang de Mixmania 3. Cette semaine, vous avez eu la chance de vous envoler dans une montgolfière. Je vais demander aux gars et aux filles comment vous avez aimé ça. Donc, les gars? Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est la première fois que je survolais au-dessus du Richelieu. Dès qu'on a décollé, j'ai checké, puis Gabrielle est avec moi durant l'envolée, puis il me disait, « Tu veux-tu changer de bord, Émilie? Il y a d'autres visions. » J'étais, « Non, je suis vraiment agrippée. » Fait que là, il était là, « Oh, s'il te plaît, non, vraiment pas, je veux vraiment pas bouger. » Il y a des émotions fortes quand même dans une montgolfière. C'est l'atterrissage le plus extrême, dans le fond. On a hâte de voir les images du spectacle qu'on va vous présenter dans la capsule. Merci les mix, bonjour. Merci à toi. En compagnie de notre belle porte-parole, Mitsu Gelina, j'ai envie de te demander, d'entrée de jeu, quel serait ton top 3 des activités à ne pas rater sur le site? Bien, premièrement, ce sont les envolées, quand le temps le permet, hein, parce que c'est pas toujours évident. Mais tous les spectacles, c'est sûr. Mais c'est le fun de savoir que quand les shows finissent, les grands spectacles finissent, il y a aussi ma sœur Abeille, oui. DJ Abeille, qui est là pour faire danser les gens. Donc, on peut rester un bon bout aussi. Pour les enfants, évidemment, ce qui est un incontournable, ce sont les ballons gonflables, sinon les jeux. J'invite tout le monde à aller regarder et suivre la page Twitter, Facebook et maintenant Pinterest de Mitsu pour voir des photos. Merci. En compagnie de l'humoriste Philippe Boisclair, qui va être en présentation sur la scène découverte un peu plus tard. Mais là, on se trouve devant la sphère Toyota parce qu'on s'en va faire un essai routier. Parce qu'il y a un simulateur à l'intérieur et là, on va voir qui de toi ou de moi va gagner. Bien, d'après moi, je devrais gagner, mais pour les biens de la cause, je vais partir du reculon, je vais en laisser gagner. OK, donc on joue à « Je gagne ». Parfait. Donc, on y va. Vraiment fait un match et une course de vainqueur. J'ai tout fait pour essayer de te laisser des chances, mais j'ai ça en moi, je veux dire, je suis capable de faire ça, ça m'énerve pas, je suis capable de tout faire. Philippe Boisclair, vous pouvez le suivre sur sa page Facebook. Oui, Philippe Boisclair sur Facebook, vous allez voir tous les détails des soirées Construire le rire que je fais au complexe Beethoven à Saint-Jean. Merci! Voilà, c'est déjà tout pour la capsule de la journée. On se laisse sur des images de Mixmania 3 ainsi que Ben et Jarre sur la scène Loto-Québec.